Vous êtes sur RTL. Le surf de l'info. Cyprien Sini. Et donc en cette matinale spéciale sur la route du Grand Débat ici à Soissons dans l'Aisne, eh bien vous Cyprien, forcément vous surfez avec le Grand Débat, n'est-ce pas ? Évidemment, car c'est une matinale spéciale ce matin sur RTL et parce qu'on va pas se le cacher, on a un petit pincement au cœur, puisque c'est officiellement demain qu'il se termine ce Grand Débat. Et souvenez-vous, au début, on avait vraiment hâte que ça commence. C'est bien sûr l'événement. Le Grand Débat débute dans un peu plus de 2 heures. Nous sommes à 1h30, du coup dans 1 heure maintenant. On était comme des dingues. Et vous vous souvenez dans quelle ville ça avait commencé ? Mais si, c'était à... Comment on dit déjà ? Grand-Boutroulde. À Grand-Bourg-Théroulde. 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 Ouais, enfin c'était à... Dans une petite commune de l'Eure. Voilà, c'est ça. C'est plus simple, une petite commune de l'Eure. Et ensuite, ben... Ensuite, ça a été la caravane du Grand Débat partout en France, Souillac, Noisy-le-Grand, avec les femmes, avec les jeunes, avec les ruraux. Le Macron Show bientôt dans votre ville. Des heures et des heures de direct à la télé en bras de chemise avec un président qui avait une réponse pour tout. Enfin non, il y a quand même une fois où il n'a pas eu de réponse. Attention, moment rare. Je vais pas vous mentir, on va regarder le sujet du géomètre topo et du géomètre expert. Parce que là, là, je ne l'ai pas en jambe, celle-là. J'en ai beaucoup, mais celle-là, je ne l'ai pas en magasin. Ouais, il avait tout révisé, sauf le géomètre topo et le géomètre expert. Il a aussi parlé cash, nous rappelant que lui aussi, il était une personne comme les autres et qu'il pouvait jurer. Il faut pas raconter des cracks, hein. Ça, c'est de la pipe. Ah bon, c'est fou, il jure pas beaucoup. Un vrai caïd, mais un caïd au cœur tendre. Écoutez comment la mère de Noisy-le-Grand a réussi à le perturber. Monsieur le Président, je suis sûr que vous allez m'écouter parce que je m'appelle Brigitte. Je suis Brigitte Marsigny, maire d'une commune que vous connaissez puisque c'est le siège d'ATD Quart-Monde. Et là, vous allez l'entendre, tout perturbé par Brigitte, le président. Sur l'initiative ATD Quart-Monde, c'est qui ? Non, j'ai déjà répondu au maire de Torcy. Sur ATD Quart-Monde et les maires bâtisseurs. C'est Brigitte qui m'a troublé. Rien que le prénom Brigitte, ça fait bugger l'ordinateur qu'il a dans la tête. Il en fait pas beaucoup finalement. Bon, pendant ces dizaines d'heures, il a aussi entendu des reproches. Arrêtez de stigmatiser, d'opposer, de mépriser. Vous traitez ceux qui sont pas d'accord avec vous de fainéants, cyniques et extrêmes. Mais on doit être nombreux. Vous m'avez déçu, monsieur Macron. Vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent ? Et puis pour être sûr de ratisser large, il a même envoyé ses ministres faire le grand débat sur les internets. À suivre également 10 ministres sur Twitch. Nos ministres sur Twitch. Twitch, sorte de plateforme pour les jeunes où d'habitude on parle comme ça. Malheureusement, il n'a pas drop de shield sur pas mal de games. Et... Ouais, on comprend rien. Les ministres ont dû se régaler. Et finalement, après en avoir bavé pendant 2 mois, bah on se demande quand même si finalement, c'est pas maintenant que ça se termine, que le plus dur commence. Eh bien, merci beaucoup, Cyprien.